Pauvre gouverneur, si je ne savais pas mieux ce qui se passe. Vous voilà bien fier, monsieur le gouverneur. Mais je parie cependant que vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a une demi-heure par le Vice-Roi. Pardonnez, excellence. Il y a une demi-heure. Ouais. Un homme est sorti furtivement du palais par la petite porte des cuisines. Oui, après. Cet homme vêtu d'un costume de docteur. Ouais.
n'est autre que Don Andrés de Ribeira, vice-roi du Pérou, notre gracieux maître. Très bien, mais dans quel dessein pensez-vous que son Altesse se soit avisée aujourd'hui découvrir la rue de Lima? Je crois que le vice-roi, se flattant de ne pas être reconnu, profitera de l'occasion pour poser aux gens quelques petites questions. Et cela, ne vous inquiétez pas. J'ai pris mes précautions. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? La précaution où m'annonce que le vice-roi est en train de préparer son entrée. Oh, c'est renversant. Monseigneur est content. Tellement content que je te permets une familiarité complète. Appelle-moi Miguel et serre-moi. Jamais. Comme ça, jamais. Sois fidèle et nous verrons. C'est le vice-roi. Arrêtez-vous là et rabattez votre chapeau sur vos yeux. Personne par une porte du jardin, laissant là-bas cette vraie couronne, je me suis sauvé ce matin. Maintenant je vais par la ville, le nez caché dans mon manteau. Je vais, je viens, je me faufile. Incognito, 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 à quoi malade que s'ennuierait. Si pour se disséguer l'incognito, à quoi malade que s'ennuierait. Si pour se disséguer l'incognito. Je peux me le dire à moi-même maintenant que je suis lâché. Ce que j'aime, là, ce que j'aime, mon Dieu, ce n'est pas un péché. Et c'est de prendre la taille d'une dame, des fringants comme un diable au dos. C'est d'aller chez les petites femmes, chez les petites femmes, chez les petites femmes. Incognito, 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 incognito. À quoi me la ressorirait? Si pour ce disserie d'avait l'incognito, à quoi me la ressorirait? Si pour ce disserie d'avait l'incognito? Un verre de chicha par là-dessus et hop là! Et bien là, l'enfant! Allez-moi vous chercher un verre de chicha, voyons. Oh, mais tout de suite, mais c'est le docteur. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle est gaie, tout le monde est gai. Si tout le monde est gai, c'est que ça va bien, n'est-ce pas? Mais est-ce la vérité? N'est-ce pas, messieurs, que l'on n'a pas trop à se plaindre? Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! Ah, vraiment? Vive le vice-roi! Oui, bien sûr, vive le vice-roi, mais enfin, il n'y a rien de parfait en ce monde, et l'on pourrait trouver sans doute... Il y a des choses à dire. Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! Ouh! Vous ne seriez pas de mon avis, j'y priserai! Car si vous n'êtes pas de mon avis! Alors criez, criez avec nous! Vive le vice-roi! Mais je me tiens, moi! Vive le vice-roi! Oh, la vive le vice-roi! Ça va très bien dans ce quartier-ci. Et dans les autres quartiers, ça va encore mieux. Vous croyez? Vous voulez aller voir? Je veux bien. Allons-y, allons-y, allons-y. Thank you.
Vous permettez, n'est-ce pas? Mais volontiers, mon garçon, volontiers. Oh, merci, ma bonne demoiselle. Ma bonne demoiselle, je vous remercie bien. Dis-moi, Tio. Quoi? Tu tiens à faire la quête toi-même? Oui, j'y tiens. Il est jaloux. Il ne veut jamais que je fasse la quête. Pourtant, je suis beaucoup plus douée que lui. Tu y es? J'y suis. L'espagnol et la jeune indienne. La jeune indienne, tu vois à toi, je suis ton vainqueur. Mais ma vertu, toi, respecte qui la tienne, et se rester arde mon ardeur. Venir en fond à ta frime sauvage, que l'étranger qui foule ici sans se, à pour de vise, abstinence et courage. Mais je ne te perds pas de vue. Allons, messieurs, un peu de courage à la fois, mais bon, messieurs. Hé, hey, dis-moi la belle. Hé, hey, quoi là-bas, là-bas. Encouragez le petit chanteur, allons, messieurs. Mais je ne demande qu'à ça, moi. Hé, hey, l'article est les pieds là-bas. Ah, c'était comme ça. Eh bien, tu vois. C'est parce que la chanson est écrite. Chantez pour encore quelque chose de gai. Après, laisse-moi faire la quête encore une fois, mais laisse-moi la faire comme je l'entends. Eh bien, chantons une autre chanson. Tu y es? J'y suis. Vous attendez souvent, écoutez-moi la vie, vous attendez souvent que vous étiez gentil. On me l'a dit vraiment, mille fois plus d'aucune, on me l'a dit vraiment, bien des fois à la brume. Si l'on vous le disait, on promet en merveille, si l'on vous le disait, fermeriez pour la paix. Monsieur Saint-Épandré, on dit tout pour ton compte, monsieur Saint-Épandré, il ne sert pas. Quelle chose, 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 Quelle ch
te promettait, comme j'ai mon gage, si l'on me promettait le joli mariage. Oui, ce m'en suffirait, si l'on souhaitait se faire, oui, ce m'en suffirait, cela pourrait se faire. Alors embrassons-nous, oh, ma belle Andalouse, alors embrassons-nous, et demain je t'épouse. Coucou et la coucou, monsieur, pas de bêtises, coucou et la coucou, ben je suis déjà prise. Déjà prise, déjà prise, déjà prise, déjà prise. Si c'était la petite, on doit faire du chemin. Si c'était la petite, tu ferais sur le chemin. Des chiens savants. Tandis que nous, qui représentons l'art sérieux. On nous laisse là, seuls, tous les trois. Comment, tous les trois? Eh bien, oui. Toi? Moi? Et là? Ah. Lui, il est immortel. Mmh. Et alors, il n'a besoin ni de déjeuner, ni de souper, tandis que nous, qui en avons besoin, nous n'avons pas déjeuné, nous. Mais quant à souper, nous nous en passerons. C'est probable. Qu'est-ce que tu as, toi? Moi, je n'ai rien. Ce n'est pas assez. Et toi, qu'est-ce que tu as? Moi, je commence à voir un peu d'appétit. Appétit, c'est trop. Je le sais bien que c'est trop, mais ce n'est pas ma faute. Oh, mon amant. Oh, mon amant. Tu m'aimes au moins? Oui, je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Oh, à la bonne heure, cette parole me donne du courage. En avant, la péricole! En avant! Nous sommes chanteurs, alors allons chanter notre part. Va chanter si tu veux. Quant à moi, je n'ai plus la force de bouger. Que vas-tu faire alors? Je vais tâcher de dormir un peu. Qui dort dit, on le dit du moins. Oh mon amant. Oh mon amant. Ma péricole adorée. Mon cher Pipio. Si encore nous étions mariés, ça coûte 4 piastres pour se marier. 4 piastres! L'administration n'a pas honte! Chante! Fichou journée! Tu m'aimes au moins? Je te l'ai déjà dit! Tu m'aimes! Je t'adore! Oh, je vais chanter alors et tâcher de récolter quelques maravillis. C'est ça, va chanter! Moi, je vais dormir. Le conquérant dit. Le conquérant dit. Le conquérant dit à la jeune vienne. C'est dans ce coin que je suis tombé. Oh.
vérité. Fichu journée. Quand entre. Chien de paix. Je ne me trompe pas. Serait-ce elle, enfin. C'est une femme. Elle est jeune. Elle est belle. Non, merci, je vous remercie bien. Ça y est, me voilà amoureux. Je suis pris. C'est une passion. Votre nom? La Péricole. Tout à l'heure, en vous écoutant, j'ai cru tout d'abord que vous étiez la vérité. La vérité toute nue. Monsieur, vous prenez des libertés. Pardon, je plaisantais. Ah, je suis bien en humeur. En effet, vous seul, au milieu de cette ville, en fait, semblez triste. Confiez-les-moi. Quoi donc? Vos chagrins. J'ai faim. Quoi? J'ai faim. C'est tout? Mais oui. Mais alors? Pardon. Êtes-vous marié? Non. Et pas d'amoureux? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Comment? Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais c'est terrible! Non, pas d'amoureux. Ah, réjouissez-vous alors. Tout vos mots vont finir. Je vous emmène. Où ça? À la cour, dans le palais du vice-roi. Qu'est-ce que j'aurai à faire? Vous serez demoiselle d'honneur de la vice-reine. De la vice-reine? Oui, oui, mon enfant, je comprends votre étonnement. Le vice-roi a eu en effet la douleur de perdre sa femme. Mais il a tenu à garder quelque chose qui lui rappela celle qu'il avait tant aimée. Et alors, j'ai gardé le service des demoiselles d'honneur. Vous avez dit, j'ai gardé. Vous seriez donc... C'est vrai, je me suis trahi. Le vice-roi. Vous doutez? Un brin. Hop, Marcel, enlève-moi ça, ça marche pas. Enlève mon manteau, hop. Eh bien, mon enfant, regardez. Vous lisez une preuve. La ça voilà. Ça ne m'aurait pas fait de mal. Savez-vous ce que c'est que ça? J'ai bien comme une idée vague, mais... C'est une piastre. Une piastre? Oui. Voilà donc ce que c'est qu'une piastre. Et là, là, vous voyez ce profil? Eh bien? Vous ne reconnaissez pas? Là, là, regardez, regardez mieux. Là, ici, là, là. Mais c'est vraiment quoi? Vous êtes un peu amélioré, mais c'est vous. Comment amélioré? Ah oui, et quand je dis un peu... La vérité, la vérité. Allez, foutez-moi le camp, ça marche pas non plus. Monsieur, eh bien, mon enfant, doutez-vous. Mais, pourquoi pas? Un homme peut avoir des piastres dans sa poche. Un homme peut ressembler au vice-roi. Ah bon, alors viens. Viens, écris avec moi, à bas le vice-roi. Je veux bien, moi. À bas le vice-roi. À bas le C'est moi, monsieur. Vous, Altesse. Ah. Il n'y avait que vous à qui l'idée pu venir de faire une pareille farce, Altesse. Altesse? Eh oui. Ah, Altesse. Eh bien, mon enfant, êtes-vous convaincu? Oui, maintenant. Et vous me suivrez? Ce que voulez-vous, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui. Mais d'abord, vous avez de quoi écrire? Par un heureux hasard, mon accessoiriste a pensé à tout. Une lettre à écrire à quelqu'un. À qui donc? À une vieille tante. Ah, oh, comme tu m'as fait peur. Tu ne sauras jamais comme tu m'as fait peur. Ah, mais dis donc, Altesse. Ah, mais dis donc. Eh bien... Cette femme... Oui, messieurs. Nous nous proposons donc de l'installer dans notre petite maison. Mieux que cela, messieurs. Je l'emmène au palais. Ah, au titre
être alors? Au titre, elle occupera le petit appartement du troisième. C'est lui qui occupait autrefois la jeune du chef d'Acapoupoul. Cela vous dérange, monsieur mon premier gentilhomme? Oui, cela me gêne un peu, car cet appartement étant vacant, n'est-ce pas, j'avais pris l'habitude d'y fourrer un tas de choses. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du règlement. Oh, parlons-en, le règlement, mais il ne me défend pas, je suis... Non, 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 certainement non, il ne vous défend pas, mais enfin, il met certaines restrictions. Votre Altesse est en veuve. Veuve. J'aime mieux veuve. Une Altesse, il faut dire veuve. Mais lui, puisqu'il est lui du genre masculin. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je croyais que c'était quelque chose. Allez donc apprendre l'espagnol. Une Altesse, il faut dire veuve. Veuve, veuve, oui, je suis veuve. Et alors? Il se trouve dans l'âge où il est plus aisé de faire une sottise, de le frapper de taureau entre les deux épaules. Il a été décidé par le règlement que son Altesse ne pourrait soulever le petit appartement du troisième qu'à une femme mariée. Est-elle mariée? Non, elle ne l'est pas. Eh bien alors? Et là-bas, le vice-roi. Oui, mon amour, oui, me voilà. Eh bien, cette lettre. J'aurai bientôt fini, mais vous n'auriez pas sur vous par hasard un petit sac tout plein de ces jolis portraits que vous me montriez tout à l'heure? Pour qui? Pour ma vieille tante. Si fait, si fait. Là, dans cette maison qui est à moi, et dans laquelle vous me ferez le plaisir de venir... Dîner avec moi tout à l'heure. Dîner? Vous voulez bien? Oui, je veux bien. J'y là ce que vous me demandez. Je le vais quérir. Je vous l'apporte, mon amour. Oui, allez. Il me demande si je veux dîner. En effet, messieurs, elle n'est pas mariée. Et le règlement exige qu'elle le soit. Je vous charge donc, vous, monsieur mon premier gentilhomme, de trouver au plus vite quelque pauvre diable qui consente à épouser. Vous, monsieur le gouverneur de la ville, de trouver au plus vite un notaire qui consente à bâcler immédiatement ce mariage. Et si dans 2 heures, vous m'entendez bien, si dans 2 heures, tout n'est pas fini, j'accepterai la démission de tout son emploi, charge et dignité, sans oublier les apprêtements. Immédiatement. Obéir, Pedrito. Et plus tard, nous verrons. Alors j'entre là, il y a ici un notaire, je vais tâcher de le décider. Et moi, je vais te trouver, je vais tâcher de trouver un mari. Piquio, pauvre Piquio. Que vas-tu dire quand tu recevras cette lettre? Misère est traduite.
me voilà moi. Avec les... Avec des petits portraits. C'est très bien. Appelez maintenant. Et oui, tout de suite. Et allez, les trois cousines. C'est à madame qu'il faut parler. C'est très bien, monsieur le docteur. Le temps que vous avez à rire à la fin. Voici une lettre. Je présume que vous allez me faire le plaisir de ne pas écouter. Je m'éloigne, mon amour, je m'éloigne. Voici une lettre que vous remettrez à ce grand beau garçon qui tout à l'heure a chanté avec moi. Tenez, vous lui remettrez en même temps. Eh bien, si nous allions dîner à présent... Mais Kyo, se revenait. Mais puisqu'il ne revient pas, allons dîner. Eh bien, que faites-vous donc? Venez. On nous a chargé de remettre une lettre et on nous a donné un sac d'argent. Comment entendez-vous cela, mes cousines? Mais il me semble que c'est très simple. Il n'y a pas de façon d'entendre la chose. Il faut remettre la lettre très exactement. Oh, sans doute. Dans un sac d'argent. Il faut la garder pour la commission. Allons, pressons. On nous sert, on nous sert. Et encore, celui-là a une façon de sonner. Pauvre père Ricole, c'est bien la peine de la réveiller pour lui dire. Tiens, où donc est-elle? Mon chanteur, nous avons une lettre pour mon chanteur. Une lettre? Oui, une lettre qu'une personne qui est ici tout à l'heure nous a prié de vous remettre. Mon chanteur. Mon Dieu, il ne manquait plus que ça. Oh, quitte-nous, mon chanteur, si vous avez besoin de quelque chose. Ne vous gênez pas. Et vous savez, pour le prix, vous n'en parlerez pas. Oh, je vous remercie de votre honnêteté, mais une autre fois. Je t'adore. Si je suis folle, c'est de toi. Honte là-dessus. Et je signe la Paricole qui t'aime, mais qui n'en peut plus. Je pense que maintenant le pauvre Piquillo a chanté sa dernière chanson. Pour les choses essentielles, tu peux compter sur ma vertu. Mais certainement, j'y compte. Et tu vas bien voir quand j'y compte. Ah, Paricole, Paricole, c'est à me demander si j'ai envie de quelque chose. Maman, j'ai besoin d'une corde. D'une corde? Une corde. La voilà, mon chanteur. Merci. Au revoir. Mais cet homme, il était là, en train de se pendre. Un mot seulement. Et monsieur, êtes-vous marié? Et dites-moi, êtes-vous marié? Non. Alors il n'est pas marié. Amenez-le chez vous, allez-y au revoir. Et faites-le revenir à lui, je vais lui parler tout à l'heure. Allez. Alors, c'est fait. Ce n'est pas moi. S'en fais pas, mon loulou, on va s'occuper de toi. Allez, les filles du Malaga, apportez-nous du Malaga. Oui, eh bien, comte, avez-vous trouvé? Oui, moi, je sais, oui. Ah, mon ami, oui. Cette femme, c'est un ange, une réserve, une distinction. Un appétit.
Par exemple, quand je lui ai proposé de la marier, oui. Elle a refusé tout de net. Mais j'espère la décider avec deux ou trois verres de Malaga. Alors je ne perds pas de temps, je vais tâcher de décider mon homme. Il va j'ai eu du bonheur, Altesse, celui qui demeure là était chez lui. Je l'ai trouvé en train de faire une petite partie avec un de ses collègues. Quel heureux hasard! Je leur ai proposé l'affaire, mais ils font des tas d'objections. Ils disent que c'est aujourd'hui jour de fête et qu'alors, avec du porto, j'en viendrai à bout. Du porto, du porto! Il fait des façons, heureusement, avec du malheur, regarde. Vous avez pas d'encours pour ici, mademoiselle, pour ici, mademoiselle. Tout ce que vous avez de plus fort, madame, tout ce que vous avez de plus fort. Ah, oui. Eh bien, Altesse. Du gilet, s'il vous plaît, je ne serai pas lâché d'avoir un peu de gilet. Ah, tout de suite, il n'y a pas de problème. Ah, mais encore quelques scrupules. Oh, de tout petits scrupules. C'est pour cela qu'avec quelques biscuits trempés dans du gilet, ah, on vient faire. Eh bien, mademoiselle, est-ce que je veux? Tout de suite, monsieur le docteur. Dites-moi, si ça peut vous aider à décider votre oui. homme, dites-lui qu'en se mariant, il devient marquis du Manzanares, comte de Tabar. Si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. Par ici, le manier. Par ici, le manier. De la vicomte, maintenant. Il paraît que le collègue aime mieux la vicomte. De la licorne, la belle enfant. On ne va pas du tout là-dedans. Ils boivent tout ce qu'on veut, mais quant à consentir à ce que je leur demande, ils n'ont pas de problème. À l'écorce, monsieur. J'ai eu du mal. Elle consent, oui. Mais j'ai eu du mal. Ah, moi aussi j'ai eu du mal. Mais je ne regrette pas puisque j'ai réussi. Votre homme est décidé. Tout à fait décidé, seulement je le déclare incapable de faire 10 pas. N'est-ce que ça? Le mariage aurait lieu ici. Ici? Ici même. Dites cela à vos amis et connaissances, mesdemoiselles. Et dites-leur que si ça les amuse de voir un mariage pour de bon, ils n'ont qu'à venir ici tout à l'heure. Voilà. Eh bien, monsieur, c'est notre heure. Et la fleur dansée,
c'est un ange, messieurs. Dites-moi, je vous prie, ce qu'il faut que je fasse. Enfant, je te marie. Moi, je vais vous la fuir. Vous vouliez tout à l'heure. Vous vouliez tout à l'heure. Oui, lorsque j'avais faim, j'ai dîné maintenant. J'ai dîné maintenant, Seigneur, c'est autre chose. À votre souverain, vous osez résister. Je l'ose, je l'ose. Nous la retirerons. Excitons le mari. Le voici, le voici. D'écouter quelques mots en particulier. D'écouter quelques mots disons particulier. Disons particulier, disons particulier. Je dois vous prévenir, madame, abonnez-vous, que j'aime fort une autre femme, pas du tout. Néant pour vous, soyez aussi, rien dans le cœur. Je vous tromperai, je vous jure, avec bonheur.
cela qu'est qu'on les marie. Vous me paraissez un peu gris. Il s'est parlé, je dis de me guérir.
celles d'entre vous qui ont le sommeil léger n'ont-elles pas été réveillées par un refrain étrange? On chantait, n'est-ce pas? Il grandira! Il grandira! Il grandira quand il est espagnol! Gne, 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 gne. Et en attendant cette poésie entre 2 et 3 heures du matin, vous êtes rien dit, vous? J'ai cru que c'était un rêve. Oh, moi, je pensais à autre chose. C'était la nouvelle favorite. Oh, elle était favorite. Mon Dieu, tonton. Oh, oui, c'était la nouvelle favorite. Oh, c'était la comtesse de Balsarares, marquise de Tabarro, qui faisait son installation en compagnie du comte de Tabarro, marquise de Balsarares, son illustre mari. Oh, et c'est de ma faute. Une chanteuse d'erreur installée au palais. Oh, c'est indigne. Le vice-roi ne pourrait-il mieux placer ses affections? N'a-t-il pas autour de lui? Oui, je comprends que tu es indigné, que vous êtes toutes indignées. Mais patience, si comme je l'espère, la cour est avec nous, cette plaisanterie ne durera pas longtemps. Oui. Mais moi, les fous, tonton. Moi, je me mets lamenté dans un coin. La situation est tragique. Une sainte banque. Où suis-je ici? Que m'est-il arrivé? Mesdames, je vous salue. Yemba. Il ose nous saluer. Faisons-lui sentir notre mépris, voulez-vous? Oui, faisons-lui sentir notre mépris. Madame va bien? Madame? Oui, la comtesse de Tabarro, marquise de Manzanares. Votre femme, enfin. Ma femme? Oui, votre femme. Ma femme? Ah, c'est vrai, je suis mariée. On ne manque pas que son sourire, son pièce à paille et son maintien. Et sa corbeille nous le dire, peut-être nous en verrons. On a mis d'humeur aussi tendre, et heureuse qu'on fait le soir. Et serait qui pour nous la prendre, il faudrait nous m'en le savoir. De ton corps, de son nez, allez, petite malhonnête, Viens les compliments, viens les compliments, viens les compliments, viens les compliments, ça va.
de l'ironie. Mais ça ne fait rien. Je sais maintenant que j'ai épousé une femme. C'est très bien. Quelle est cette femme? Je n'en sais rien. Mais d'ici peu de temps, sans doute, je rencontrerai des gens qui me le diront. Ah. Des messieurs maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? C'est qu'ils désirent que je leur chante quelque chose. C'est mon métier. Je vais chanter quelque chose. Ah! Démarchez, démarchez, c'est un enfant sur ma part. Épousez la maîtresse du roi. La maîtresse du roi? Il faut que je leur explique. Monsieur! Elle m'aime, maîtresse, pour me dire pourquoi. Épousez la maîtresse du roi. Monsieur, je vous en prie. Quelle magnifique baisse! Quelle charme à la voix! Épousez la maîtresse! La maîtresse du roi! Ah, oh, mais il m'a mis à la fin! Alors, qui vous dit en bas? Alors, oui, vous laissez ce pauvre action! Ah, je suis dans un musée. Voyez comme tout se découvre. Je sais maintenant que je suis marié, que je suis dans un musée. Et c'est probablement pour ça qu'on m'a si bien habillé. Ah, voilà, monsieur. Je vous ai très bien reconnu malgré votre déguisement. Et monsieur, il est avec vous, un ami peut-être, hein? Don Pedro de Hoxha, gouverneur de l'Imato. Bien flatté, monsieur. Don Pedro de Hoxha, gouverneur de la ville. Moi, premier gentilhomme de la chambre. Vous, le mari de la favorite. Nous sommes donc à nous trois, les trois plus hauts dignitaires du Pérou. Puisque c'est nous qui avons les trois meilleures places. Cela posé, il ne nous reste plus qu'à nous partager la richesse, les honneurs. Et les billets de spectacle. Nous aurions très bien pu vous tenir à l'écart, faire le partage sans vous. Mais nous ne sommes pas capables. Nous sommes honnêtes gens. Nous nous sommes dit, avant de procéder au partage, allons trouver le comte de Tabago, marquis du Manzanares. Attendons-nous avec lui, sachons ce qu'il demande. Et ce qu'il demandera, nous le lui donnerons. Est-il possible? Mais oui, monsieur le marquis, mais oui, demandez ce que vous voulez. Seulement, soyez raisonnable. Incroyable. N'oubliez pas que vous êtes un homme de feu. Rien. Une manière d'esprit. Un pauvre diable en un mot. Et que dans tout partage, un pauvre diable doit se contenter d'une part de pauvre diable. Allez maintenant, dites ce que vous voulez. Ne vous gênez pas. Ce que je voudrais. Oui. Je voudrais m'en aller. Vous en allez. Oui. Nous pouvons lui accorder cela, il est sans. Oh oui, nous le pouvons. Est-il bête? Il pouvait nous demander des tas de choses, il nous demande tout bonnement de s'en aller. Je crois que nous pouvons vous accorder ça. Bonjour alors. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une petite formalité, une toute petite formalité de rien du tout. Cette femme que vous avez épousée, n'est-ce pas? Il faut que vous la présentiez. Je l'ai présentée à qui? Mais à la cour, au vice-roi. Comment? C'est sa maîtresse. Une formalité. Une coutume du pays. Quand votre femme entrera, vous la prendrez par la main et vous la présenterez à son altesse en disant « Altesse, je vous présente la marquise. Son altesse vous répondra probablement bien obligé. » Et ce sera tout? Ce sera tout, c'est la livre. Livre? Et je pourrais courir après la femme que j'aime. Mais tant qu'il vous plaît. Dépêchez-nous alors. Est-ce bientôt cette présentation? C'est tout de suite. Voici son altesse et tout à l'heure votre femme. Ma femme? Ah, ça me fait tout de même quelque chose de la voir. Pas grand-chose, mais quelque chose. Ça passe à tout, c'est un fait que c'est possible, un peu plus souvent que ça. Pour
je me présente la comtesse. Bonne comtesse. Oui, la comtesse. Ah, 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 elle est bien bonne, celle-là. Ah, 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 elle est bien bonne, celle-là. Mes amis, le respect sont là. Que pouvons-nous faire à cela? Ah, 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 elle est bien bonne, celle-là. La comtesse de Tabago, marquise de Manzanare. Nous allons donc voir la Marie, présenter sa femme à la cour. C'est le fait de se passer ici, un peu plus se voir dans son tour. C'est le fait de se passer ici, un peu plus se voir dans son tour. Et tout ce que j'ai dit, vous souvenez-vous bien? Que je m'en souviens. Allez donc, et ne dites rien. Vous allez voir. Venez, madame. Je viens, monsieur. C'est toi, la péricole. Eh oui. Comment c'est toi? Toi, ma femme. Eh oui, c'est moi. Qu'est-ce que je te vois? Tais-toi, tais-toi. Tu sauras tout. Ah, j'en sais bien assez. J'en sais bien assez. Car je sais, copine, que c'est vous la maîtresse du roi. Et qu'alors, je suis moi. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes.
C'est bien long. Ces 12 années de captivité, je les ai utilisées à creuser le mur de mon cachot avec un petit couteau que je lâche. Et j'ai pu arriver jusqu'ici. Douze ans encore pour percer cet autre mur et je serai libre. Ne perdons pas une minute. J'entends du bruit, il me semble. Vite, cachons-nous. En matière d'évasion, l'on ne saurait montrer trop de prudence. C'est ici, monsieur. Nous sommes arrivés. C'est ici le cachot des maris récalcitrants. Oui, monseigneur. Mais il est très propre. Il est tout neuf. Il n'a encore servi à personne. Ainsi, l'on me fourre en prison parce que je n'ai pas trouvé bon que ma faute. On vous fourre en prison parce que je vous avais été à maris récalcitrants, c'est tout. Ça, alors, je n'ai pas, quant à moi, d'opinion subversive. Mais, monsieur, voilà de ces choses qui font comprendre les révolutions. Ah non, écoutez, mais comment qu'est-ce qu'il dit? Voilà de ces choses qui font comprendre les révolutions. Vous n'aggravez pas votre position. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. Vous allez me laisser là tout seul? Mais il le faut bien. La fête continue là-haut. La fête? Mais nous ne vous quitterons pas sans vous avoir dit ce que nous pensons de votre admirable conduite.
Le mari courbait la tête, c'était l'usage à l'Ivra. Où se lavait la molette, on se criait à imbécile, je vous en fais compliment. Fermez la porte, s'il vous plaît. Merci. La voilà donc, la couche de l'honnête homme, de la paille. Je vais dormir sur la paille, tandis que si j'avais été une canaille, je dormirais sous la duvet.
De lui sans crainte Il ne l'est pas, madame. Mais si vous y tenez, je puis faire attacher à l'un de ses genoux. C'est inutile, mais tenez-vous là, et au moindre cri, jetez-vous sous lui avec vos ordres. Eh bien, madame. Voilà, tu es là. Moi ? Ça, toi. La péricole ! La péricole ! Tu ne t'attendais pas à me voir. Je ne comptais pas, je ne pouvais pas croire que tu aurais l'imprudence. Mais puisque tu l'as eu, eh bien, tu vas voir. Un pas de plus et j'appelle. Si j'appelle, le geôlier entre avec 6 de ses hommes. 6 hommes? C'est sérieux ce que tu dis là? On ne peut plus sérieux. C'est bon alors. Causons maintenant. Tu penses bien que je ne serais pas venue si je n'avais pas eu un motif. Je reconnais ton motif. Quel est-il, voyons? Femme de toutes les voluptés. C'est possible. Après? Tu as tenu à être sûre que t'aimes accoucher. Eh bien, sois satisfait. Non, ce n'est pas pour ça, mon ami. Pourquoi, alors? Dans ces couloirs obscurs, sous cette bourde sombre, quel but mystérieux m'a conduite dans l'ombre et vers ce bois cachot a dirigé mes pas. Ce but mystérieux se devine visiblement, il est pour t'afficher de moi. Mon cher amant, je viens pour te parler. Pour cela seulement. Oh.
J'ai de la taille, et d'un tel 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 sur les méclés, soir et matin, et d'un tel 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 chantez votre joyeux tintin. Ô prisonnier d'un paradis, je vais porter la nourriture malgré mon air. Réparatif, je suis une bonne nature. Sonnez, 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 sonnez. Il est fort bien, fort bien, vraiment. Je ne l'ai plus, il est charmant. Vraiment, il s'est mis bon. Il est charmant, charmant, charmant. Parfaitement, ce sont des diamants. Qui sont à vous? Et tard, s'ils sont à moi, c'est moi qui lui ai filé. Si vous consentez à favoriser son évasion. Oh, dis donc, c'est beaucoup peut-être de nous donner tout ça. Et si je consens à favoriser son évasion, qu'est-ce que vous ferez, vous, hein? Je partirai avec lui. Avec lui? Oui, avec moi, Piqueo. Don Alfonso Piqueo. Hein? Il est gentil, mais il est bête. Ah oui, il est bête. Il dira ça à toi tout à l'heure si je suis bête. Et dites-moi là, ce vice-roi, ce pauvre vice-roi, vous le plantez là, tout net? Net. Il vous adore pourtant? Oui, mais comme je ne l'aime pas. Pas un brin? Pas une net. C'est moi qu'elle aime. Oui, c'est lui. Je l'aime. Il m'aime ardemment. Nous voulons vivre l'un près de l'autre. Et c'est sur vous, petit geôlier, que nous avons compté pour nous procurer cette satisfaction. Eh bien, vous n'avez pas eu tort. Car cette satisfaction, je vous la procurerai. Et plus complète que vous ne le pensez. À vous, à vous autres. La parole. L'homme de masse, je ne fais pas de la table,
service au roi, qui n'est pas aussi bête que vous le pensiez. Tyran, nous en reparlerons. À ton nez et à ta barbe. Faites erreur, madame. Cette barbe, paf, n'est pas à moi. La charge et la souffrance déchire mon cœur tour à tour. Et la montée de la puissance tout cela ne vaut pas l'amour. Et la montée de la puissance tout cela ne vaut pas l'amour. Tout cela ne vaut pas l'amour. Comment ça? Quand il t'a parlé bas. Il ne m'a rien dit. Pourquoi n'a-t-il parlé bas, alors? Quand il n'y dit rien, on n'a pas besoin de parler bas. Tu m'ennuies. Tu vois que ça me crispe d'être attaché par le milieu du corps. Et tu viens encore avec des bêtes questions. En voilà une nuit de noces. Et toi? Qu'est-ce qu'il a? Il me semble que j'entends. Chut! Qu'est-ce que c'est que ça? Taisez-vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous apporte la liberté! La liberté! Oui! J'ai mis 12 ans pour percer le mur de mon cachot avec ce petit couteau! 12 ans encore pour percer cet autre mur! Et nous serons libres! Dans 12 ans! Oui. Alors ne perdons pas une minute! Dis donc, les babettes, j'ai peut-être un moyen plus rapide. Vous l'avez sur vous, votre petit couteau? Le voici! Eh bien, servez-vous-en d'abord pour faire sauter un des anneaux de cette chaîne. Oh, à votre service! Qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi, madame. Il y avait 12 ans que je... Ça faisait 12 ans dans la nuit. Il y avait 12 ans que je... Tenez, voilà. Vous étiez libre. Ah, la bonne. C'est bon.
je ne vous en veux plus. Oh, maintenant, écoutez-moi. Le vice-roi m'a dit tout à l'heure que si ça m'ennuyait de passer la nuit accroché à cet anneau, je n'aurais qu'à chanter une des chansons que je chante si bien. Ah oui. Que ce n'est pas moi qui parle, c'est le vice-roi. Oh, madame. C'est un homme du monde, hein. Il a dit qu'il serait là, que lorsqu'il m'entendrait chanter, il reviendrait. Alors, vous comprenez, toi, Piquillo, tu vas te remettre près de ton mur, et toujours sachez. Vous, bon vieillard, vous allez vous cacher derrière ce pilier. Moi, je vais chanter. Le vice-roi viendra, et dès qu'il sera porté, nous sautons sur lui. Mais nous lui chibons cette clé. Et nous décomptons. Qui sommes-nous? Nous y sommes. Et je puis compter là-dessus. Si vous donnerez. Hissez-moi, et bien es-tu devenu raisonnable. Tout à fait raisonnable. Et tu m'adores. Et je vous adore. Ah, 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 il n'y a personne, ne m'entendra pas. Oh, les femmes, les femmes. Raisonne, adresse les femmes. Est-ce qui dans un tas de circonstances fait ton roi comme mon vice-roi? Comme être une foule d'influence dont tu tarises mort. Les femmes, il y a ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il y a ça. Tant que la terre tournera, il y a ça. Mais ceux qui allaient me brûler, Guigny! Ah, 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 cette fois, la direction va me brûler! C'est là! Les découvrir dans leur cachette, on en a besoin.
Je vous en prie, vous arrêtez. On est sur leur place. Je la connais, celle-là. Je sais ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire. Ça veut dire que vous ne savez rien, que vous n'avez rien trouvé. Ainsi, deux misérables se seront échappés. Ils ont mis la main sur ma personne sacrée. Oui. Ils l'auront ficelé comme un saucisson, ma personne sacrée. Puis ils ont sauvé en se moquant de moi. Quand je vous demande à vous qui êtes gouverneur de la ville, et à vous qui êtes premier gentilhomme de ma chambre, si ces deux misérables sont arrêtés, vous pensez qu'il vous suffira de me dire on est sur leur trace, Altesse, on est sur leur trace, non, mais... J'ai fouillé le palais, j'ai fouillé le hôtel Garni, j'ai fouillé les cabarets, j'ai fouillé les bouches, j'ai fouillé ma mère. Et vous, qu'avez-vous fouillé? J'ai fouillé les habitants. Et vous n'avez rien trouvé? Pas grand-chose, Altesse, pas grand-chose. Vous dites cela parce que vous avez peur que je vous demande ma commission. Approchez-en un peu, vous, les trois cousines. Altesse, connaissez-vous cette péricole de malheur? Vous le connaissez, ce piquillon? Vous non. les avez vus, sans doute. Nous les avons pas vus. Attention, les trois cousines, vous vous troublez. Je vous ferai battre de verge si vous ne dites pas la vérité. Je vous ferai battre de verge après vous avoir préalablement fait déshabiller jusqu'à la salle. Ça vous amuse, vous. J'aimerais bien voir ça. Eh bien, ça n'aura pas lieu. Voilà. Piquillon, la péricole. Il se livre enfin, hein, à la bonne heure. Merci, ma bonne voisine, je vous remercie bien. Voilà le public de la péricole. J'espérais que les gens qui nous écoutent seront généreux, très généreux. Ici, la clémence d'Auguste. Ah, ça c'est délicat. La clémence d'Auguste, où les coupables récompensés quand ils auraient dû être punis. Complainte brillante en trois couplets. Que vois-je? Le marquis de Santarem? Oh! Écoutez, peuple d'Amérique, de l'Espagne et du Pérou, écoutez un coup de pinceau, une histoire très véridique. Le vice-roi en colère les fit forcer de leur raison, mettre toutes en prison. Heureusement, ils s'évadèrent grâce à vieux prisonniers qui du basson se réjouaient. Comme je l'entends. Reprenez vos diamants, Altesse. Tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas nous faire pendre. Et de ne pas nous réclamer les quatre piastres, vous savez, pour notre mariage. Tendresse de rire.
l'habitude de reprendre ce qu'il a donné. Gardez tout. Votre conduite me cause tant d'admiration que si je ne me retenais pas, je pleurerais comme une bête. Approchez, marquis de Saint-Arême. Qu'avez-vous fait pour être mis en prison? Il y a tellement longtemps que j'y suis, Altesse, que je ne m'en souviens plus. C'est fâcheux. J'aurais aimé à vous le pardonner. Mais puisque vous ne vous souvenez de rien, qu'on le reconduise dans son cachot. Ça m'est égal, c'est mon petit couteau. Vous deux, vous êtes libres. 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 Qui fait la quête? Oh, mon amant. Oh, mon amant. Deux enfants de peine et de misère, combien de cours avons-nous souvent? Nous vous dirons avec franchise entière, c'est ici qu'on fait le plus d'argent. Nous vous quittons ainsi que l'hirondelle, tel don précieux, nous prenons notre vol. Mais en partant, nous dirons de plus belle. Il grandirà, il grandirà, il grandirà, car il è espagnolo. Il grandirà, il grandirà, car il è espagnolo. Il grandirà, il grandirà, car il è espagnolo. Il grandirà. Le dire à moi-même, maintenant que je suis lâché, ce que j'aime, là, ce que j'aime, mon Dieu, ce n'est pas un péché. Et c'est de prendre la taille aux dames, et fringant comme un diable au dos. C'est d'aller chez les petites femmes, chez les petites femmes, chez les petites femmes, incognito, 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 incognito.